Cette requête coûte combien? Frais à payer, avocat, tout ça, $750. OK. Frère lui dit, tous ces frais-là, c'est moi qui paye. Je vais y aller dans le détail maintenant. Frère lui appelle Nico, il donne les $750. Le lendemain, il appelle ma femme, puisque les gens veulent connaître tous les détails, je vais le dire. Il appelle ma femme, Cocotte Tabala, et mes deux garçons que j'adore, Megan Moukebaï et Bradley Moukebaï. Il les appelle, il reçoit un très bon soutien. Moi, je ne peux pas nier les soutiens que j'ai reçus sur le plan politique et moral de deux là. Ça, ils m'ont beaucoup soutenu, ça m'a réconforté, ça m'a permis de tenir. Mais de parler argent, quel argent? Il reçoit ma femme. Tu sais combien il remet à ma femme? $200. 200. Je l'ai dit maintenant. $200. OK. Une semaine après, Mouzito m'appelle. C'est ce qui est grave. Oui, Mike. Je t'ai envoyé 1 000 $. Tu les as reçus, moi? Je lui dis, non, non. Il dit, mais j'ai remis au président Martin. Quoi? Au président Martin? Non. Il m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. Alors, quand j'ai fait tout compte fait, dans les 750 remis à Nico Mayengele par Fayoulou, et les $200 de ma femme, ce n'était pas l'argent de Fayoulou, et il a dit à personne, c'est l'argent de Mouzito. Ça, c'est comme ça qu'un homme peut gérer le Congo. Vous voulez que je sorte tous les détails? Vous voulez que j'en parle? Vous me provoquez, j'en sais beaucoup, hein? Continuez à me provoquer. Oh. Je ne vous répondrai pas à vous, les Ndakala et les Bipungu Pungu là. Je ne vous répondrai pas. Je répondrai à Mouzito et Fayoulou. Et ça va être grave. Ça va saigner dans tous les sens. Continuez. Je reviendrai. J'ai passé une semaine à encaisser. Vous croyez que c'est une faiblesse? Non. Je voulais voir comment vous allez me répondre.